Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance oracle astro des poissons et ascendant poissons, pardon, pour le mois de juillet 2024. La saison du cancer est une très belle saison pour tous les poissons et ascendant poissons. Il faut savoir que le cancer est un signe d'eau, comme vous. Mais, en plus, il se positionne dans votre maison 5, qui est la maison de la chance, de l'amour, des enfants, de la créativité, des plaisirs. Donc ce soleil va irradier cette maison et va mettre en lumière vos amours, vos enfants, tout ce que vous pourriez faire de créatif, tout le domaine artistique. C'est un bon moment pour faire un bébé par exemple. Mercure est aussi dans ce signe et dans cette maison jusqu'au 2 juillet, jusqu'à aujourd'hui, puisque nous sommes le 2 aujourd'hui. Par contre, Vénus sera dans cette position jusqu'au 11 juillet. Donc c'est une très belle période pour faire une très belle rencontre. C'est une période très fructueuse au niveau financier et c'est un bon moment pour faire un bébé. Ça c'est sûr et certain. Lorsque le soleil va passer en cancer, en lion, pardon, va quitter le cancer, le 23 juillet, il se positionnera dans votre maison 6, qui est la maison du travail, de la santé, de nos routines, de tout notre travail quotidien. Effectivement, ce soleil va mettre en lumière ces thèmes-là. Mercure sera déjà positionné dans cette maison 6 à partir du 3 juillet. C'est un moment où vous risquez d'être très concentré sur votre activité, mais aussi sur votre santé. Vous allez vous en occuper de façon plus importante. Vénus positionnée dans cette maison 6 peut vous créer quelques soucis au niveau urinaire et gynécologique, que vous soyez homme ou femme. Mercure va passer ensuite dans la Vierge et se positionner directement dans votre maison 7, qui est la maison du couple, des associés. C'est une maison très importante pour vous. Et Mercure va mettre en lumière cette maison. Pluton en maison, en Verseau, est positionné dans votre maison 12. Alors, comme vous le savez, Pluton est rentré dans le Verseau. Il va ressortir, il va rentrer dans le Capricorne qu'une courte période, puisqu'ensuite il va s'installer définitivement en Verseau, en tout cas pour un bon bout de temps. Pluton dans votre maison 12 vous amène à faire une transformation profonde. C'est une psychanalyse, j'ai envie de vous dire. Alors pour le moment, ça touche les poissons de février. Ceux qui sont du 18, 19, 20 février, pas plus tard. Et là, ça amène des transformations en profondeur, un peu comme si vous deveniez quelqu'un d'autre. Il n'est pas improbable que vous découvriez des choses secrètes. Que des secrets ressurgissent, des trahisons surtout. Donc, il va falloir s'armer psychologiquement parce qu'on peut être confronté à des trahisons qu'on ne soupçonnait pas. Saturne et Neptune sont positionnés dans votre signe, maison 1, et Saturne vous amène à être beaucoup plus structuré. C'est vrai que Neptune dans votre signe a amené beaucoup, beaucoup de rêves et de désillusions pour beaucoup de poissons. Là, il touche le tout dernier des camps, ceux qui sont presque béliers, hein, donc ceux qui sont du 20 mars. Donc c'est vrai que ça peut être très compliqué, mais c'est vrai que Saturne arrive et va commencer à vous recadrer complètement et va vous amener à voir les choses avec justesse, même si je sais que le poisson aime rêver parce que la réalité lui fait du mal. Nous avons le taureau qui est positionné dans votre maison 3, c'est un signe ami pour vous. La maison 3 qui est la maison de l'enseignement, de la communication, des frères et sœurs. Mars est positionné en taureau dans cette maison et donc va amener tout ce qui concerne votre action. C'est-à-dire que c'est un moment où vous allez vouloir que les choses bougent et vous allez faire tout faire pour. C'est très étonnant du poisson, mais en tout cas vous allez être hyper actif, hyper, j'allais dire, frontal. Uranus amène la soudaineté dans des événements. Et enfin, parlons du Gémeaux, sachant que le Gémeaux et Jupiter en Gémeaux va rester pendant un an dans ce signe et dans votre maison 4. Jupiter en Gémeaux met en avant votre famille, votre foyer, et donc peut amener, là Mars est positionné dans cette même maison à partir du 21 juillet, et il peut amener quelques conflits de famille, ou en tout cas des remises en question très importantes au niveau familial. Il n'est pas improbable que vous fassiez une action pour pouvoir changer de lieu de vie, pour avancer. Nous avons une nouvelle lune très importante le 5 juillet dans le signe du cancer. Donc pour vous positionner dans votre maison 5, c'est une des nouvelles lunes idéales pour faire des vœux.
Alors, bien sûr sur l'amour, mais pour la chance en général. Donc c'est le moment où vous demandiez le maximum de choses. C'est une maison presque de protection. Nous aurons une pleine lune à 29 degrés le 21 juillet qui va toucher particulièrement le dernier décan, qui sera en conjonction avec en trigone, pardon, en trigone avec Neptune. Neptune qui est dans votre signe, qui sera à 29 degrés aussi. Donc c'est quand même très important. C'est une pleine lune qui va amener des révélations, qui va amener des mises en lumière. On est quand même depuis des années, à cause de ce Neptune en poisson, dans le mensonge, dans tout ce qui est illusion. On vous dit blanc, le lendemain on vous dit noir. C'est ça en permanence. Je ne sais pas si vous écoutez les informations, c'est épuisant. Et on a affaire à des gens qui s'inventent des vies, qui disent des choses. Moi, il y a des moments où je me dis, mais heureusement que j'ai les pieds sur terre, parce que je me dis, est-ce que c'est moi qui ai tort ou est-ce que c'est moi qui ai raison? Est-ce que je suis dans la vérité? Parce que je ne sais plus comprendre. Et donc, je reste très alignée avec mes convictions pour ne pas me faire manipuler. On est dans l'ère de la manipulation et du mensonge. Et donc, c'est vrai que Neptune, bientôt, va passer en bélier, pas de suite, malheureusement. Mais Saturne va remettre de l'ordre dans tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on est dans des époques très importantes. Et cette pleine lune, 21 juillet, va apporter beaucoup de clarté. Attention, hein, celle déjà, la nouvelle lune déjà du 5 juillet, moi, je m'attends à tout, hein. Mais en tout cas, la pleine lune du 21 juillet va être cruciale, très importante, parce que révélatrice. N'oublions pas que le Capricorne a beaucoup d'ambition, mais qu'il a les pieds sur terre. Donc, automatiquement, ça risque de déménager. Pour vous, cette pleine lune très importante, très puissante, dans votre axe 5-11, maison 5, maison 11, qui est la maison des protections. Donc, c'est une belle pleine lune pour faire des vœux. Voilà pour le ciel. Bon, on va y revenir. Nous allons voir ce que disent les oracles. On commence par mon oracle, l'oracle magique du marc de café. C'est la main de Fatma. La main de Fatma amène une protection. Protection, la main de Fatma représente toujours la protection dans l'adversité. C'est-à-dire que si votre vie est un chaos ou si vous vous sentez agressé, Dieu sait si, bon, les poissons ont souvent une problématique, c'est qu'ils se sentent vite agressés quand même, hein. Parce qu'ils sont hypersensibles, il faut le dire. Enfin, je veux dire, il faut les défendre aussi. Moi, j'ai eu des poissons où je ne savais plus comment dire les choses. Alors, j'ai une manière de dire peut-être trop abrupte pour eux. Vous avez l'impression qu'ils sont vexés, blessés toutes les 5 minutes. C'est très compliqué. Et donc, cette main de Fatma vous donne victoire, quoi qu'il arrive. Même si les événements vous donnent tort pour le moment. Mais la main de Fatma fait que les choses comment dire, finissent à votre avantage. Donc, il y a une très belle protection, quoi qu'il arrive ce mois-ci. Au niveau professionnel et financier, c'est l'aigle. Il vous amène une évolution très positive. N'oublions pas que l'aigle représente le Gémeaux et que nous aurons Jupiter et Mars qui vont s'allier dans votre maison 4. Donc, c'est vrai que même professionnellement ou financièrement, ça peut être un moment, par exemple, vous voulez vendre ou acheter un bien immobilier. Ça peut être quelque chose qui soit dans votre tête et dans vos objectifs. Au niveau sentimental, c'est le palais. Et on est encore dans le foyer. On parle sentimentalement, donc ça peut être un moment où vous avez fait une rencontre et vous avez envie de vivre avec la personne. Ça peut être un moment où on est en train de faire son cocon, c'est-à-dire on est en train de construire, de rénover un endroit, de décider de vivre ensemble. C'est un moment où on a fait un achat en commun, mais ça peut être aussi un moment où on réunit la famille, où on ressoude de la famille aussi. Au niveau santé, c'est un peu moins bon, c'est la grenouille, c'est l'eau. C'est le signe d'eau. On vous dit attention parce que la grenouille amène beaucoup de tristesse. Donc ça peut être un moment où vous êtes dans l'émotion. La grenouille représente le cancer et le cancer qui est émotionnellement très affecté comme vous. Vous êtes dans l'hypersensibilité. Alors, j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester pour vous ce mois-ci. Et voici ce qui apparaît. C'est l'encre. Bien l'encre, c'est quoi? On vous dit... Si tu veux que la chance se manifeste, il va falloir que tu sois hyper ancré, hyper stable. Or, le problème du poisson, c'est qu'il est tout le temps fluctuant, il est entre deux eaux. N'oublions pas que le signe du poisson représente deux poissons qui vont à sens inverse.
Et donc, effectivement, il a un côté où il peut dire tout et son contraire. Avoir envie aujourd'hui de blanc et demain de noir. Donc, il faut que vous fassiez très attention parce que je trouve quand même que le poisson fait partie des signes très chanceux. Alors, la chance, vous savez, la chance pure, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas gagner obligatoirement au loto, mais il leur arrive toujours des coups de bol de dernière minute. Ils ont ce côté très intuitif, certes, mais un peu béni des dieux. Mais en fait, fondamentalement, quand ils sont malheureux, c'est parce qu'ils vivent au rythme de leurs émotions et ils sombrent. Ils sombrent souvent dans l'alcool, dans les drogues, dans les médicaments. Donc, ils prennent beaucoup de médicaments. Et c'est la dépression qui prend le dessus. Mais à la base, ils sont pas malchanceux. C'est qu'ils ne le voient pas. C'est-à-dire qu'ils font presque de l'obsession sur leurs problématiques. Donc, il faut faire très attention. On vous dit que la chance se manifestera si vous arrivez à trouver votre équilibre, si vous êtes aligné, si vous êtes. Parce que c'est vos états d'âme qui peuvent tout gâcher, qui peuvent tout casser. Et Dieu sait si je connais énormément de poissons qui me consultent, que j'ai autour de moi. Et honnêtement, ça gâche leur vie, quoi. Ça leur gâche leur chance. Ils sont souvent. On ne trouve pas vraiment obligatoirement le lieu où ils sont bien, quoi. Allez, nous allons regarder la suite. Regardez comme c'est beau ce qui vous arrive. C'est le Tao. C'est l'abondance, foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense. Je vous l'ai dit, l'amas de planète en cancer, pour vous, c'est une bénédiction. Maison 5, maison du coup de bol financier, coup de bol amoureux, richesse intérieure, apogée, moisson. On est dans une période très chanceuse. Donc vous êtes dans une phase hyper intéressante. Ce mois de juillet est très très bon pour vous. Vénus en cancer apporte le côté abondance. Il y est jusqu'au 11 juillet, donc il faut en profiter. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. En fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que de toute façon, un des défauts du cancer, je le dis souvent, c'est l'attente. Ils remettent toujours, ils procrastinent en permanence, c'est-à-dire qu'ils remettent à demain, ils ont le temps. Ils sont, vous voyez, bercés par les vagues. Ils sont fluctuants. Ils suivent le courant, ça c'est pas trop mal de suivre le courant. Mais parfois, il faut mettre un peu le turbo, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un proverbe qui dit, à de toi le ciel t'aidera. Il serait plutôt temps de dire, le ciel, j'attends que tu m'aides, quoi. Vous voyez, donc, il va falloir qu'à un moment donné, vous ayez des vrais projets. Et que vous vous donnez les moyens. Je donne toujours l'exemple des dominos, vous savez, ce qu'on place là. Si vous ne poussez pas le premier, mais ils ne tomberont pas, hein. Donc, il faut bien une impulsion pour qu'il y ait des effets, on appelle ça l'effet papillon, vous savez, par rebond. Et donc, plutôt que vous mettre dans l'attente, toujours, bah, d'avoir le coup de bol, mais ça peut mettre des années, quoi. Il est temps que vous aidiez un petit peu. Regardez le dernier oracle qui est quand même assez extraordinaire. C'est l'aide céleste. L'aide céleste. Demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. Alors, si là on ne vous parle pas de ce qu'il faut faire pour la nouvelle lune du 5 juillet, c'est-à-dire dans 3 jours, c'est comme si on vous expliquait aussi la pleine lune du 21 juillet, puisque c'est la lune qui a la loi d'attraction, qui active la loi d'attraction. Et là, on vous dit de demander de l'aide. Or, je vous ai expliqué, non seulement la nouvelle lune est positionnée dans la maison 5, qui est une maison de chance, et la pleine lune, elle est positionnée entre le soleil en 5 et la lune en maison 11, qui est la maison des protections. Donc, l'aide céleste, bien sûr qu'il faut demander de l'aide. Demandez de l'aide pour trouver votre chemin. Arrêtez de dire « je veux ça ». Demandez à vos guides qui vous montrent le chemin pour accéder à ça. Qu'ils mettent sur la route les opportunités. Moi, à une époque, j'ai demandé, non pas je veux telle chose, mais j'ai demandé à mes guides, mettez-moi sur le chemin la solution pour régler tel problème. Et en fait, tout s'est mis en place. Et je vois dans ma vie actuellement, j'attends un événement, je vais être fixée dans pas longtemps, tous les événements se sont mis en place pour régler un certain nombre de soucis que j'ai, hein, comme tout le monde, on a tous des problèmes. J'en ai aussi, des erreurs, comme d'habitude. C'est pas grave.
Apparemment, à 58 ans, j'ai toujours pas compris. Hein, donc, je vous jetterai pas la pierre, hein, croyez-moi. Mais en tout cas, j'ai tout qui s'est mis en place. Et ça n'arrête pas. Donc, je ne demande pas un miracle. Je demande juste qu'on me mette sur le bon chemin. Qu'on me mette les solutions. Qu'on me les apporte, les solutions. Mais pas les solutions du style je gagne au loto. Des solutions qui font partie de ma vie et qui vont m'aider à solutionner mes problématiques. Vous comprenez? À partir du moment où les choses se mettent en place, c'est qu'on vous a entendu, on vous amène des choses qui sont non pas miraculeuses, qui sont presque logiques, mais qui sont accélérées. Voilà. Ce qui n'est pas logique, c'est de ne pas jouer au loto et de gagner. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ceux qui n'ont pas un centime ou qui ne travaillent pas et qui demandent que s'acheter une maison qui vaut 1 million d'euros. Bah, je dis pas que ça peut pas arriver, hein. Je suis pas convaincue que vous trouviez le bon chemin pour y accéder, hein. Ça risque d'être un chemin qui est plutôt diabolique ou machiavélique, hein. Bon, on va passer là-dessus, hein. Donc, l'aide céleste, que demander le mieux? Vous commencez les consultations, la guidance, avec la main de Fatma et vous clôturez avec l'aide céleste. Que demande le peuple? Moi, je trouve que c'est un tirage assez exceptionnel. Donc, prenez-le comme un cadeau, comme une bénédiction. Moi, exceptionnel. De toute façon, la saison du cancer est une très bonne saison pour vous, ça on le sait. Donc, profitez-en. Prenez tout ce qu'on vous donne et voyez tout le potentiel que vous avez. Ne vous concentrez pas sur vos malheurs. Concentrez-vous sur votre potentiel, qui est énorme. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.